Dans la chambre de cette blonde, je bloque, responsive devant sa carte du monde. Le regard dans le vide, ma queue surplombe ses fesses qui s'agitent dans la pénombre. Et je la sens frénétique, elle gesticule à la recherche d'un plaisir immonde. C'est le goût du tiers-monde, elle me tire de mes pensées critiques et profondes. Sa peau laiteuse et blême en redemande. Choc des cultures au carrefour de mon bas-ventre couleur amande. Et sous le ciel aux étoiles de miel, mon esprit fabule sur ces avions qui scintillent dans le ciel. Qui filent, défilent, décollent et s'envolent. Traces de longs filets de kérosène qui gèlent. Escale africaine chargée de rêves irréels. C'est drôle comme l'exil dans une carlingue de tôle. Frôle les images folles de la parabole. Le paradis en couleur pastel sur les chaînes musicales. Au mille et une promesses sensationnelles. Je me mordis le coin des lèvres au milieu de la nuit. Ma métaphore en fièvre, en proie à l'ennui. Du haut de mon bâtiment gris, j'essaye d'apercevoir mon continent. Mais je n'entends que ses cris. Alors je fais le bilan sous les nuages menaçants. À la recherche d'une trêve ou d'un dénouement. Mais j'ai le sentiment de vivre un rêve étouffant. Puis je me réveille en sueur, j'inspecte autour de moi. Mon cœur bat trop vite pour mille raisons à la fois. Les questions sont pressantes, la terreur omniprésente. L'information prenante, c'est la guerre des symboles avec ses chants militaires, ses veillées funéraires et les échos de ses prières. La troisième guerre mondiale a déjà commencé. Me demande pas comment je le sais.